Bonjour à toutes et à tous et merci de vous réveiller avec nous. Bravo, il va falloir être en forme, avoir le cœur bien accroché ce matin parce qu'on va faire du cardio, des mouvements de boxe et des mouvements au sol pour renforcer également la sangle abdominale. Je ne serai pas tout seul, vous la voyez, elle est juste derrière moi, c'est Nathalie. Hello Nathalie. Allez, c'est la première fois qu'elle vient, c'est la première fois même qu'elle fait du cardio boxe. Peut-être vous aussi, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment accessible à tous. Allez, je vous propose qu'on se mette en route avec un petit échauffement. Ok, on va commencer simplement par se mettre sur la balle du pied, rebondir à droite et à gauche. Et vraiment les deux pieds bougent en même temps. Genoux fléchis pour rester mobile, dynamique sur les appuis. Allez, montez un petit peu plus les poings maintenant. Vous voyez, vous serrez les poings, le pouce sur les phalanges et vous les amenez au niveau à peu près des pommettes. Les coudes serrés, ça c'est notre garde-boxe. Vous mettez le pied droit en avant, on continue de sauter d'avant en arrière. La garde haute ici. Très bien. Et là, vous êtes installé comme des boxeurs. C'est parfait. Un tout petit peu plus loin. Pensez bien à couvrir le visage. Très bien. Ok, on calme un petit peu le jeu. Allongez le bras droit devant et ramenez. On allonge, on ramène. Là, trajet. Le plus court possible vers l'avant. Indirect. Et on ramène. Le point pivote et on allonge. Un peu plus vite. Hop. Deux rebonds. Indirect. 1, 2, boum. Encore. Très bien. Relâchez l'épaule, le bras. Essayez de trouver un petit peu plus de vitesse. Encore. 8. Allez, 6 de plus. 5. Très bien. Le bras souple et détendu. Encore 2. Un dernier. Rebond sur place. Gauche-droite. Allez, on reprend les rebonds à gauche à droite. Toujours les deux pieds qui bougent en même temps. Rien de compliqué, tout va bien Nathalie pour l'instant. On est bon. Allez, le pied gauche devant. Les rebonds en avant, en arrière. On calme le jeu. On allonge, on ramène. Ici. Regardez bien, le point pivote pour utiliser l'épaule. Allonge, ramène. Allonge, le poids du corps sur la jambe avant. Un peu plus rapide. Ici, bam, et on rebondit. Hop, 1, 2, hop. Rebond, rebond. Essayez de gagner un peu de vitesse. Voilà, smash et on ramène. Allez, 8 de plus. On ajoute l'expiration pour bien s'oxygéner ici. Et avoir quelque chose d'assez dynamique. Très bien. Encore. Un dernier. Ciseaux sur place. Allez, petit ciseau pour commencer. Ah, on maintient toujours la garde, hein, on n'oublie pas. Les poings hauts, les coudes serrés. Bien, bien. Alors, vous pouvez marcher sur place si vous préférez, si le cœur monte un petit peu. On continue avec les ciseaux, hein, pour échauffer un petit peu les jambes. Toujours la garde haute. Ah. Ok, très bien. Gardez le pied droit devant. Ok, on calme le jeu. Deuxième attaque, uppercut, point vers le haut. Hop, on ramène. Le coup de poing vertical. On n'oublie pas notre garde toujours. Les poings protègent. Et comme ça, on peut faire travailler un peu les épaules. Allez, un dernier. On accélère. Go. Et toujours l'expiration sur l'impact. Le poids du corps sur la jambe avant. 4, 3, 2, 1. Ciseaux sur place. Allez, on reprend nos ciseaux. Si les ciseaux fatiguent un peu, vous pouvez marcher. Hein. Il est encore très tôt. Vous avez besoin peut-être de vous réveiller un peu plus longtemps. Allez, si vous êtes bien, restez avec nous en ciseaux. Pied gauche devant, rebond avant-arrière, garde, on pose, upper gauche, on ramène. Toujours, le coup de poing vertical. On accélère un peu. Allez, 16, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Vous imaginez une cible devant, vous visez le menton de votre adversaire. Très bien, ciseaux sur place. Allez, on reprend nos ciseaux. On installe la garde. Compact en avant. Très bien. On va terminer un peu notre échauffement. Remettez le pied droit devant. Posez la garde ici. Direct, upper droit. Direct droit, upper droit. Les deux cibles, le nez, le menton. Nez, menton. On allonge, on monte. On allonge, on monte.
direct gauche. Loin. Et on reste là-dessus. Là. Maintenant, tournez le talon, la hanche. Pivotez, allongez. Upper gauche, ici. Pareil, on part d'en bas, on plie les jambes. Le coup de poing arrive de l'arrière. Encore 4, 3, 2, ciseaux sur place. Option possible, hein. Toujours la marche. Pour récupérer un peu, reprendre votre souffle. Bien vous réveiller si tout va bien. On reste en ciseaux. Allez, le pied gauche devant. Rebond avant-arrière. Gauche, gauche. Direct. Upper. Vous rappelez les cibles? Le nez, le menton. On allonge, on remonte. On allonge, on monte. Allonge, remonte. Direct droit, seulement ça. 15, 14, 13. Et là, servez-vous de l'ensemble du corps. La hanche, l'épaule, le poing. Upper droit, ici, 16, 15, 14. Poussez un peu plus dans les jambes. Un peu plus rapide. 4, 3, 2. Allez, les derniers ciseaux. Ok, on détend un petit peu les bras maintenant. On commence à avoir les épaules un peu plus échauffées. Les jambes, à mon avis, tout va bien. Le cœur, on est un petit peu plus chaud? Ouais? Ah! Bien! Allez, rebond sur place. Droite-gauche, réinstaller la garde. Très bien, juste pour bien installer ça. Très bien, un peu plus loin les appuis. Allez, plus dynamique. 4, 3, 2. Et relâchez. Bougez un petit peu les épaules. Les jambes, ok. Je pense qu'on est bon. Pour une première séquence de travail, un premier circuit. Vous préparez surtout chez vous un tapis pour pouvoir alterner les séquences debout, la boxe, les séquences au sol, les abdos. A tout de suite. Ok, mettez votre pied droit devant et rebondissez d'avant en arrière. Ok, on installe la garde haute, comme on a fait juste avant. Hauteur des pommettes, croûte serrée, attitude boxe, menton bas. Regard haut, direct droit, upper gauche. 1, 2. On vise, loin, on remonte. Loin et on remonte. Un peu plus fort. Il suffit d'ajouter une expiration supplémentaire et de serrer le ventre au moment de l'impact. 1, 2, 3. Direct, upper, direct, rebond. On recommence. 1, 2, 3, 4, 3, 2, rebond. Nez, menton, nez. Nez, menton, nez. Pensez, j'allonge, je monte, j'allonge. Et je rebondis. Alors, vous pouvez rester avec Nathalie et continuer à faire des rebonds. Ou bien venir avec moi. 1, 2, squat en bas. 1, 2, alors Nathalie, ok, pourquoi pas, a choisi de faire les squats avec moi. Je rappelle pour la maison, on peut rebondir sur place. 1, 2, go. 1, 2, 1, on se protège en bas, et là, on attaque, très bien. Encore 4 fois, même enchaînement, 3 de plus. 2. Attention à suivre. Direct, non-stop. 20 secondes. Allez, on tient les directs. On allonge simplement les deux bras. Loin devant. Un peu plus rapide. Laissez tourner les épaules. Rentrez bien l'abdomen. Ciseaux sur place. Ok, on récupère un peu. Si besoin, vous pouvez marcher. Sinon, vous gardez les ciseaux. La garde haute. Très bien. Pied gauche devant. Direct upper. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Reprenez votre souffle. Un peu plus fort. Yes. Mouvement sec, puissant, bam,
2, 3. Rebond. Gauche, droite, gauche. Et les rebonds. Loin et on remonte. Loin, remonte, loin. Rebond. Squat. 1, 2, go. 1, 2. Allez, encore 8 fois. Allez, 7. Est-ce que votre squat à la maison, vous pouvez le faire un peu plus bas? Les cuisses parallèles au sol. Allez, 4 de plus. 3. 2 derniers. Très bien. Le dernier plus fort, plus rapide. Que des directs. 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Allez, on allonge. Loin devant. Épaules relâchées. On garde notre vitesse. 3, 2, un dernier fort. Boum! Prenez vos tapis. Allez, on prend les tapis, on vient s'allonger sur le dos. Tout de suite. Les pointes de pied près des fesses. Les bras le long du corps. On rentre le ventre, on garde le bas du dos près du sol. Levez les deux pieds. Puis allongez les jambes, repliez et reposez. On lève, on souffle et on serre le ventre. On replie, bien, et on repose doucement. Levez, soufflez, serrez, ramenez et reposez. On fait ça un tout petit peu plus vite. Allez, go, lève, allonge, ramène. Et pause. Les hanches sont fixées par terre, le bas du dos près du sol. Levez les épaules pour le faire maintenant. Allez, on regarde entre les genoux. Top! Tendez les jambes vers le plafond, les bras vers les pointes. Petit. Allez, on expire fort. À chaque petite impulsion, essayez d'allonger les jambes au maximum. Allez, on décolle bien les deux épaules. Stop en haut. Les deux omoplates levées. Les filles, bon point de repère. Le soutien-gorge ne touche plus le sol. Et nous, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'ouvrir les bras, les jambes. On reste, on reste, on reste. Et on ramène. On repart en arrière. On allonge. On ouvre et on ramène. Soufflez, serrez et ramenez. Soufflez, serrez. Alors attention, les deux omoplates sont toujours levées. Hein. La tête aussi. Hop. Allez, on souffle. Hop. Hop. Tendez les bras, les pointes de pied vers le haut. Petit. Allez, on reprend cette séquence-là. Les deux omoplates bien levées. Est-ce que ça commence à chauffer un peu dans le ventre? Ah! Nathalie, tu confirmes ou pas? Oui, allez, on reste là-haut. Et tout doucement, on ouvre. Et on maintient. Alors, si on est assez balèze, hein, on peut ouvrir un peu plus. Le bas du dos reste près du tapis. Attention à ça, on creuse, on serre. Et on relâche, bien. Relevez-vous, pas le temps, pas le temps. Pas le temps de récupérer. Allez, il nous reste peu de temps. Hein. Ah, on va se faire une petite séquence avec un déplacement. Allez, rebond droite-gauche pour l'instant, le temps que tout le monde revienne. Que ceux qui ont besoin de se tenir un peu le ventre se redressent. Allez, et on reprend notre garde, haute. Ok, on va se déplacer à droite. Deux petits rebonds. Ciseaux sur place. Déplacement à gauche, ciseaux. Alors le pied bien en avant, là, et les ciseaux. Bien, regardez, déplacement. 4, 3, 2, 1, on se déplace, upper, 1, 2, 3, 4, on vise quoi? Le menton, on se déplace, 1, 2, 3, upper, hop, direct droit, et 4, 3, 2, 1, regardez la suite, ça donne 1, 2, un peu plus fort sur le 3, 1, 2, 1, 2, 1,
fort, plus rapide. Bam! Encore 4. 3. 2 de plus. Dernier. Ciseaux sur place. Allez, on reste en ciseaux. On remonte un peu la garde. On rebondit sur place. Genou droit, genou gauche. Plus rapide. Go! Engagez le coude vers la poche opposée. Vers la poche, pardon. Coude droit, poche droite. Coude gauche, poche gauche. En sautant un peu plus. Prêt à vous déplacer? 4, 3, 2, on part à droite. Upper, 4, 3, 2, 1. Boum! Tout va bien, Nathalie? Ah, toujours, toujours. Alors, on continue. Tant que Nathalie tient debout, on continue. Encore. Encore 4 fois. Juste 4. 3. Boum. 2. Dernier, dernier. Genou alterné. Gauche, droite, gauche. Qu'est-ce que vous direz de refaire monter un peu le cardio? Une dernière fois. Tirez plus fort sur les bras et décollez un peu. Ok, pour finir, 8 genoux à droite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, genou gauche. Coude gauche vers la poche. Légère inclinaison pour engager les obliques. 8 à droite. En décollant un peu. Changez. Montez un peu plus la cuisse. 4, 3, le dernier. Super fort. Boum. On reprend les tapis. Allez, allez. Courage, vous aussi à la maison. Regardez, on vient sur les avant-bras, les genoux. On regarde vers les mains et on monte. Main droite, main gauche, pompe, remonte. Bras droit, bras gauche, en bas, on reste. On remonte. Pompe. Et on revient en gainage. Option sur les pointes. On revient en bas. Et on reste. Encore. Pompez. Revenez en bas. Et relâchez un peu. Petite récup. On recommence la même chose, mais avec deux pompes cette fois en haut. Allez, c'est notre dernier challenge. Sur les genoux ou sur les pointes, on monte. Deux pompes. Un. Deux. Et on revient en bas. On monte. Un. Deux. On revient en bas. En haut. Les deux pompes. Descendez bien la poitrine en premier, hein. Regardez, la poitrine vient vers le sol d'abord. Allez, encore deux fois. Allez, Nathalie. Allez, vous aussi à la maison, dernier. On revient en bas. Restez immobile. 15 secondes. 15 secondes. Ok, relâchez. Revenez sur le dos. Une dernière fois. Les genoux levés. Regardez. On tourne à droite, puis à gauche. On allonge l'autre jambe. Deuxième possibilité. Touchez le sol. Accélérez. Go. Go. Et normalement, on doit vous entendre souffler d'ici. Soufflez. Soufflez. Sur chaque inclinaison, chaque rotation, encore 16, 15, 14, les bras bien ouverts, loin du visage.
1, 4, 3, 2, et relâchez. Ok, voilà ce qu'on va faire. Vous allez rester dans cette position-là. Et on va se retrouver tout de suite pour s'étirer un peu. Récupérez tranquillement. Allongez la jambe droite vers le plafond. Levez les épaules. Et tirez vers vous. Sentez l'étirement derrière la cuisse. Ok. Repliez le genou droit. Ouvrez le bras droit. Et descendez les jambes à gauche. Tournez la tête à droite. Ok. Respirez par le nez. Relâchez-vous. Allez, on revient tout doucement. Allongez la jambe gauche. Levez les épaules et tirez vers vous. Pressez le talon vers le haut, la hanche dans le sol. Et maintenez. Regardez votre genou. Et poussez le talon vers le haut. Très bien. On replie le genou. Hop, et on descend les jambes sur la droite. Regardez votre main gauche partir. Et lâchez-vous au sol. Détendez-vous complètement. Puis, vous allez lever votre bras. Hop, et venir. Ici à genoux face à nous. Et vous étirez un peu votre dos. Ça fait du bien. Alors on peut se redresser ici. Allongez votre jambe sur le côté, votre jambe droite. Et là, tirez le bassin en arrière. Posez les avant-bras éventuellement. Si c'est un peu dur, vous restez sur les mains, bras tendus. Et vous regardez loin devant vous. Ok, on relâche doucement et on change de côté. On regarde loin devant, on se redresse, on se grandit. Bien, ramenez tout doucement. Hop, appuyez-vous sur la cuisse avant. On monte comme ça, tranquillement, à l'aise. Le bras droit sur la poitrine, étirez bien l'épaule. Bon, on a eu chaud hein, aujourd'hui. On a bien bossé. On a bien mérité cette petite séquence d'étirement main entre les omoplates. Pliez un petit peu les jambes. Inclinez légèrement à gauche. Très bien, relâchez tout doucement. Passez le bras gauche sur la poitrine. L'épaule vers le bas. Allez, la main entre les omoplates. Hop. Vous pliez un petit peu les genoux, vous relâchez les jambes, vous inclinez légèrement sur votre droite. Très bien, relâchez. Main dans le dos. Levez la poitrine, étirez. Et vous relâchez tranquillement. Tournez les épaules à gauche, à droite. Allez. Et on va terminer ce stretch avec quelques enroulés d'épaules simplement.
pour bien détendre ici toute l'articulation vers l'arrière, vers l'avant. Et je vous félicite, bravo, bravo d'être arrivé jusqu'à la fin. Ça y est, vous avez terminé. Si vous voulez continuer l'entraînement, D8.tv, rubrique gym direct. Vous avez là tous les replays, mangerbouger.fr. Ça, c'est pour savoir hein, quoi manger avant ou après votre séance, ou même d'une façon générale pour organiser un petit peu vos repas. Mangerbouger.fr. Donc, si vous voulez faire comme Nathalie et venir tester un cours en live, gym@canalplus.fr, et vous venez sur le plateau avec nous. Et ça se passe comment, Nathalie? Ça se passe bien? Ça se passe bien, visiblement. Bravo, Nathalie. Hop, bravo à vous. Et à très très vite. Ciao, bonne journée.